Tu sais, les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de sales histoires. Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Minecrafter français. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur The Hunter où je vais vous présenter, plutôt vous expliquer comment bien chasser à l'arc sur The Hunter pour perdre un minimum de gibier, parce qu'on à l'arc souvent on tue pas sur le coup. Donc là on va courir dans les 150 premiers mètres là. Alors je vais vous expliquer ma méthode, pardon, c'était pas voulu. Je vais vous expliquer ma méthode en fait, pardon. Bah voilà, donc de toute façon vous allez vite le voir, je pense. Il y a un champignon, ok. Il y a un cerf qui appelle, par exemple. Je vais le rappeler avec la peau. Et je vais le rappeler, je vais utiliser la peau beaucoup de fois. Et après, je vais arrêter d'utiliser. Je vais aller un peu sur la droite. Et je vais m'accroupir et je vais attendre. Et quand ils vont passer à travers, paf, je vais déclencher ma flèche. En espérant de faire une belle flèche. Avec le gros bug qui vient de passer. Et voilà, je vais arrêter de courir. Et je vais laisser, je vais attendre 5 minutes en fait. Le temps que l'animal il fasse allez, une centaine de mètres, qu'il s'arrête, après qu'il s'allonge et qu'il va mourir tranquillement. Bon, non, des fois j'arrive, il est allongé mais il est encore vivant. Et des fois j'arrive, il est mort. Donc c'est ma technique, à la place de le tirer à la flèche, de courir après, pouf, garde un marre à chaque fois, on perd autant. Donc là je crois que voilà, impeccable. Il y en a qui ont appelé devant. Donc là j'ai un rappel. Non, je sais pas, j'ai des gros ralentissements, j'ai des grosses chutes de FPS, pardon. Ouais, d'accord. C'est un troupeau complet. Ok. J'en vois 3 déjà. Donc on va continuer de les appeler. Et puis on va voir ce qu'elles font. Elles ont fait demi-tour. Je crois que je suis trop loin, elles doivent pas entendre. Non, je pense pas que. Donc je vais continuer d'avancer. Je vais les appeler. Ah, je crois qu'elles ont fait demi-tour. Ouais. Je pense qu'elles ont fait demi-tour. Donc je vais continuer d'avancer. Non, je pensais que j'allais faire une coupure pour vous reprendre jusqu'à autant que j'aurais à trouver un animal. Mais il n'y aura pas besoin. Donc je sais pas si vous allez les voir là. On va les continuer à les appeler un peu. Et quand elles sont sorties du bois, j'irai me mettre derrière l'arbre. Ça tombe bien. Donc là, elles viennent droit sur moi. J'en vois 3. Enfin, du moins, j'en voyais 3 là. J'en vois plus que 2. J'en vois plus que 2. 1, 2. Non, l'autre est là en haut. Ok.
Donc là, je vais rappeler encore. Et je vais me dépêcher d'aller me cacher derrière l'arbre là-bas. Je vais me dépêcher parce que je crois qu'elle va m'en repérer. Putain de merde. Il y en a une, deux, trois, quatre. J'en vois quatre à gauche de mon écran. Donc voilà. Alors je vais rester là comme ça. Il y en a une qui revient sur mon carré, sur moi. Alors une biche de... Ouh, elle est belle celle-là. Elle est belle parce que... Régulièrement c'est 45-85 kg, mais là 60-100 kg, première fois que je vois ça. Donc ok, il y a celle-là, mais je vais attendre la deuxième. La deuxième, je crois qu'elle va venir mieux. Mais je crois qu'elle m'a senti ou un truc comme ça. Ouais. Ils sont plusieurs. Je vais voir combien elle fait celle-là. Bon, pour une biche, c'est pas le plus important de tirer pas. Excusez-moi, je vais vous reprendre dans 5 secondes. Alors, excusez-moi pour cette petite intermède. Bon, qui a duré 2 secondes pour vous, mais qui a duré une demi-heure pour moi. Donc, nous allons reprendre là où on était. Je crois qu'on avait trouvé ouais, des biches. Ah oui, c'est vrai. Et l'autre, elle est où? Ça, elle va me passer en plein travers. Enfin, du moins, ouais, c'est bon. Oui, il y en a 5. Ah non, il y en a une, deux. Attendez. Une, deux. Une, deux, trois. Quatre. J'aurais pu la tirer, mais je vais attendre. Celle-là. Soixante, 100 kilos, ok. Impeccable. Je vais plus bouger là. Je vais attendre qu'elle monte un peu. J'ai le temps. Elle monte. Impeccable. Voilà. Alors, je crois que je vais pouvoir décocher là. Je vais attendre qu'elle s'arrête. Tant pis. Je sais pas où j'ai tapé. Alors, les autres sont pas partis. Je vais en profiter pour tirer une deuxième. Et puis, on ira chercher les deux au centre. Si j'ai touché les deux. Elle aussi, elle va être bonne. Oh, elle fait demi-tour, merde. Elle, je l'ai eu. Elle fait demi-tour. Ouais, on voit la flèche. J'ai vu la flèche.
Donc quand on va aller à la recherche au sang, je vais tout de suite faire un petit point là. Voilà. Je vais aller voir si j'ai eu la première que j'ai décochée. Si je l'ai touchée déjà. La deuxième, c'est sûr. Alors, je vais aller à la recherche de la première. Ouais, je l'ai eu. Il y a du sang déjà. Intestin. Alors, je vais faire une petite pause le temps que je retrouve celle-ci. Et quand j'aurai retrouvé vivante ou morte, je vous reprendrai. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite. Alors, j'ai pisté la biche d'ici. Voilà. Que vous pouvez voir sur le mini. Intermate, alors c'est pas une grande poursuite, mais je l'ai retrouvé quand même. Alors vous voyez, le fait d'attendre un peu, ça peut faire quelque chose. Temps de fuite 3 minutes 47. Donc si je vous dis d'attendre 5 minutes, c'est vrai quoi. Et je pense que c'est l'une des plus grosses biches que j'ai fait du jeu depuis le temps que je joue. Alors on va essayer de voir ma flèche, on voit la pointe. Ouais, tu vois, j'ai eu de la chance. Bah, elle était loin, pourtant j'avais visé au niveau d'ici, mais elle était loin. Et il y a l'autre qui est juste là. Je vais faire celle-là en photo. Je sais pas si je vais la tirer. Parce que j'en ai déjà une à chercher. Bah, une qui me reste à chercher plutôt. Au pire, je tire celle-là. Bah, je décoche celle-là parce que on peut pas tirer avec un arc. Je vais tout de suite la rechercher. Regardez, elle m'a pas vu, elle m'a pas vu. Oh, tombé net sur le coup. Alors là, je suis content de mon tir. Alors, plein cœur, je crois. Ouais. Poumon droit, poumon gauche. Oh putain. Alors là, c'est la première fois que j'ai fait un. Peut-être un triplé de biche. Sur si peu de temps. Une belle flèche en plus. Là, je suis content. Je savais pas qu'avec l'arc on pouvait tuer net comme ça. Ça me fait plus plaisir de tuer net comme ça plutôt que de blesser. Même si c'est pas un grand tir, mais c'est une approche. Donc voilà. Non, je suis content, c'est un beau tir, franchement. Je suis content de prendre en vidéo ce moment-là en plus. Donc pour l'instant, deux biches sur trois. Alors on va aller chercher la troisième. J'aimerais bien qu'on la retrouve aussi. Mais là. Coup de bol quoi. Bon, si elle a une belle flèche encore d'intestin ou quelque chose comme ça, vu que ça fait un pas mal de temps là que je l'avais tiré celle-là, donc ça, je pense que ça doit aller.
que je vais vous reprendre du moment où j'aurai retrouvé la peut-être la biche. Donc voilà, j'ai retrouvé le début de la piste de la deuxième biche que j'ai tiré. Donc j'ai encore tiré une flèche d'un, j'ai plutôt encore décoché une flèche d'intestin. Donc non, c'est pas celle-là. De marque, non, elle est partie par là, c'est vrai. Donc là, je vais la pister. Et dès que si, par chance, je la retrouve, je vous reprends à ce moment-là. Donc on se retrouve sur la recherche de ma biche qui est là-bas. Et là-bas, il y en a une autre qui gueule. Donc je vais la prélever celle-là et tenter de faire une approche sur l'autre là-bas. Donc on va la rappeler pour qu'elle vienne. Alors celle-là, elle m'aurait bien fait chercher parce que je m'en souvenais plus qu'elle avait fait des zigzags. En fait, je l'avais tiré. Elle était revenue vers moi, mais qu'elle avait refait des zigzags. Donc voilà, là-bas. Belle flèche aussi. Bah, pas belle flèche, par exemple. Estomac. 66,9 kg. Donc 67 kg, quoi. Donc pour l'instant c'est des assez grosses biches que j'ai tuées. Et voilà. Et l'autre elle arrive là-bas quoi. Je vais la rappeler encore une fois. Je sais pas où elle se trouve. Je vais attendre un peu ici. Voir ce qui se passe. Là, voilà. Elle arrive droit sur moi. Ça doit être l'une des cinq que j'ai. Que je viens de tirer avant. Je regarde s'il n'y a pas un serre mal dans les parages quelquefois. Bon, bah, elle arrive droit vers moi. Donc on va la laisser approcher tranquillement. Je vais la rappeler un peu plus loin du rocher. Et je vais me mettre derrière le rocher. Attendre tranquillement qu'elle arrive. Et peut-être qu'après j'irai peut-être chercher le lapin. Et là, flac! Je l'ai. Non, je rigole. Je sais pas si c'est une grosse celle-là. Quarante-cinq, 85. La première que j'ai fait c'est des 60-100, je crois. Heureusement que je me suis pas trop foiré de touche parce que j'aurais pu la faire fuir en appuyant sur F. Parce que ça fait siffler le bonhomme. Donc bon, t'avances ou quoi toi? Parce qu'il faut pas qu'une vidéo dure 3 ans non plus. Ça sera mieux. Ouais bah voilà, elle va arriver tout droit. J'ai eu un bug où le personnage n'avait plus de bras ni de main. Bon, t'avances? Bon.
tu veux. On va essayer de faire une petite approche du coup. Je vais essayer de me mettre derrière l'arbre mort. Si je me repère pas. Je vais essayer de rester en contrebas. Normalement, elle va continuer d'avancer vers le rocher. Je vais essayer pas de faire craquer la branche. Oh merde, elle m'a vu. Bon, c'est pas grave. À mon avis, elle a pas dû s'arrêter très loin. Oh, un mâle. Ouais. Par contre, là, je vais pas faire trop le con. Je vais pas faire trop le con. Donc, je vais vous reprendre quand le cerf mâle sera peut-être à partir. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop. De 30 minutes non plus. Je vous reprends dès que je peux tirer, pardon, le cerf. Alors on se reprend ici où je viens de faire fuir les cerfs que j'ai pas vu qu'ils étaient juste là sur la petite butte là, alors que je venais ici le long en regardant à gauche. Donc je sais pas. ce que je vais faire du coup, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chercher un lapin pour vous faire montrer. Donc on se retrouve bientôt dans quelques instants quand j'aurai retrouvé un lapin. Voilà, alors on se retrouve non sur un lapin mais sur encore une biche. Seul, enfin du moins je vois qu'elle est seule, donc je vais essayer de la prélever. Trop loin. Vas-y, avance encore. À la touffe, je la tiens. Belle flèche. Alors là, je suis content. Parce que, oh, franchement, c'était magnifique cette action. Je suis encore content de l'avoir fait en vidéo. Parce que là, oh, je suis content. Encore une belle flèche, je crois en plus. Flèche de poumon droit, mais pas de foie estomac. Oh voilà, tout traversé quoi. Manquerait plus qu'elle soit ressortie par le trou du cul. Non, je vois la pointe. Donc allez, montre-t-on toi s'il te plaît. Voilà. Ouais, je vois la pointe qui est là. Donc la flèche elle a complètement tout. Non, non, non. Voilà.
traversée. Voilà. Donc, je pense que ça va être la fin pour cette vidéo sur The Hunter. Malgré qu'il y a un cerf qui vient d'appeler. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de une demi-heure. Donc peut-être que je vais enregistrer quand même le cerf, mais que je le mettrai pas dans la vidéo. Donc, que je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos sur The Hunter.